Poisson. Oh putain, c'est un monstre. Ah ouais, monstre. Oh. Il était énorme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mike Street. Ça faisait longtemps que j'avais pas publié les amis, donc là on va se retrouver vraiment pour une session carnassier avec mon ami Gaël sur un lac qui est quand même très connu, un lac sélectif, un lac de montagne du Jura, parti sur une session quand même assez compliquée sur 4 heures de pêche sans rien toucher, et à un moment donné, en changeant de technique, mon collègue, il lui arrive un truc juste incroyable, donc je vous en dis pas plus, je vais vraiment vous laisser découvrir ça dans la vidéo. C'est incroyable ce qui peut se produire à la pêche des fois avec pas grand chose, et après les amis on va basculer sur un autre plan d'eau, un plan d'eau très touristique, surtout prisé pour tout ce qui va être baignade et compagnie pendant l'été, mais comme quoi des fois sur les alentours de lac, quand on décide d'aller faire un petit peu les berges, les pontons, il peut se passer aussi des choses incroyables, et donc vous allez voir aussi dans la vidéo, on peut avoir des grandes surprises. Encore une fois, je vous laisse vraiment découvrir. On n'oublie pas de soutenir tout ça pour 2023 avec les énormes pouces bleus, on n'oublie pas les abonnements, si vous n'êtes pas abonné les amis, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. On va préparer l'ouverture truite 2023 comme il se doit, donc en attendant, très très belle année 2023, plein de belles choses, que du bonheur, plein de poissons. On se retrouve très vite sur la chaîne Mike Street. Ciao. De 240 grammes, tu peux pas faire voler un drone sans autorisation. Ah, c'est pas grave, je suis en dessous. Ah, je suis en dessous, c'est nickel. Ah, mais c'est bon, Gad. En dessous, ouais, ouais, c'est sûr, mais ouais, voilà. Ah non, mais c'est clair, quand tu vois ce que tu prends, parce que bien, le petit leurre, c'est bon ça. Ah bah c'est pas grave. Qui c'est? Bon, Gaël vient de nous faire une putain de ferrage, un putain de ferrage, une belle attaque. C'est un broc? Énorme. Avec un petit leurre, il est passé sur un petit leurre. Un petit one-up, c'est ça? Attends. Oh putain, c'est un monstre. Ah ouais? C'est un monstre. Oh putain, ah. Ta mère, ah bah là, vu ce qu'il t'a mis dans la gueule. Oh putain, sa mère. Il était énorme. Ah oui, oui. Qu'à 70-80. Ah bah 80 sûr. Ah, faut passer sur. Faut passer sur du petit leurre quoi. Ah mais là c'était obligé gros. Ah tu peux rien. Bah c'était obligé. Oh putain. Ouais mais. T'étais quoi comme fil? Ah, il était beau, hein. J'étais en 1600. 1600, ouais. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Hein? Ah bah oui, oui, carrément. Bah puis t'as pas fait de rush, t'as pas fait de grosse attaque une fois que tu l'avais sferré. Il t'a pas fait de rush, donc forcément, tu l'as accompagné comme il fallait, mais arrive à la fin, tu parles. Ah, il était là, sous mes pieds. Ouais, ouais. Tu l'as vu, ouais, un bon 70? 80. Ah ouais, putain. Bien gros. Putain. Ah, dommage. Bah je vais mettre un petit leurre aussi, hein. On va essayer un plus petit leurre, on va mettre un petit shad, mais tout petit. Tout petit, genre ça là. Je pense que ça va donner avec ça.
won't tell you what I'm asking for. No, I won't explain myself. I won't explain myself. Not gonna pretend I'm made in this. Hold me back, you know I can't resist. You don't think I know. Poisson. Magnifique. Incroyable. Oh. Incroyable. Ah bien. Magnifique les amis, incroyable. Voilà ce qu'elle me met. Yeah. Magnifique. Incroyable. Magnifique perche, les amis. Don't think that I'm dumb enough to fall in love. Don't think I'm the only one you're dreaming of.